C'est avant tout l'âme d'un grand hôtel parisien, et surtout localisé sur la rive gauche, ce qui lui donne, je dirais, cette première singularité comparée aux autres établissements de même niveau. C'est le fait que nous soyons les seuls actuellement positionnés au cœur de cette rive gauche, pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, en face du Bon Marché. Le Désir va proposer 184 chambres et suites. Inclut un très beau spa avec une très belle piscine de 17 mètres de long et surtout avec la lumière du jour, ce qui est là aussi quelque chose d'assez important. Je crois pouvoir dire qu'un élément qui vraiment a été moteur dans cette rénovation a été la réintroduction de la lumière dans toutes les zones publiques de l'établissement et ce qui donne vraiment un accueil et un sentiment très particulier. Nous allons donc aussi avoir une belle salle de fitness au rez-de-chaussée de l'hôtel, 100 mètres carrés, et 6 cabines de traitement. Et puis nous allons proposer un très bel espace qui inclut le bar Joséphine, dans lequel nous sommes là actuellement, mais qui, couplé au salon Saint-Germain et au patio, là aussi, autre élément qui a été créé durant cette rénovation, donne un espace de plus de 200 places assises, dans lequel nous allons proposer une très belle restauration et une très belle carte de bar, et ce, 7 jours sur 7, et du matin jusqu'au soir. Nous avons des espaces séminaires. Nous avons gardé un très beau ballroom de 300 mètres carrés, le salon Cristal, dans lequel nous allons pouvoir accueillir de beaux événements sociaux. Mais nous avons aussi deux salles de 50 mètres carrés pour des réunions de plus petite taille. Nous avons aussi un boardroom et nous avons aussi une salle, un salon qui s'appelle le salon de l'orangerie, dans lequel nous allons à la fois proposer le petit déjeuner pour nos clients hôtels, mais aussi assurer des prestations déjeuner et dîner privés. Un des grands acteurs de cette rénovation est Jean-Michel Villemotte, son cabinet d'architecture qui nous a accompagnés à la fois sur la partie architecture, mais aussi sur la partie design. Et je pense qu'avec la réalisation qu'il a faite de l'hôtel Lutetia, on peut dire qu'il s'est fait plaisir et il nous a fait plaisir en restituant plein d'éléments historiques qui avaient totalement disparu, ou en tout cas qui n'étaient plus donnés à voir. Notamment cette très belle fresque que nous avons ici au salon Joséphine, fresque qui date de 1910, qui a été créée par un dénommé Kukowski, qui était un élève de Puvis de Chavannes. Et cette redécouverte donne une dimension, n'en pas douter, qui va être un des éléments clés de cette rénovation. Il y a une deuxième fresque qui a été restaurée au niveau de la réception. Il y a bien évidemment le travail de restauration de la façade qui permet de restituer la façade telle qu'elle existait en 1910. Donc là aussi, un très très beau travail. Mais il y avait la volonté, et ça faisait partie véritablement du cahier des charges, de faire du Lutetia un hôtel contemporain. Pour toutes les personnes qui viendront à l'hôtel Lutetia, à la fois cette mixité entre des éléments architecturaux et des éléments très contemporains, qui en grande partie ont été intégralement dessinés pour l'hôtel Lutetia. Le mobilier, les lampes, et puis aussi, et c'est le cas dans le salon à côté, le Saint-Germain, l'intervention d'un artiste contemporain, Fabrice Hibert, qui a fait une interprétation sur la très belle verrière et qui donne à voir aussi et à s'étonner sur quelque chose définitivement bien plus contemporain que les fresques que nous voyons ici. Nous avons travaillé avec beaucoup d'artisans, notamment les ateliers Ricou, qui sont ces peintres qui ont été amenés à intervenir dans tous les lieux patrimoniaux de l'hôtel. Nous avons aussi été amenés à travailler avec des ferronniers d'art qui ont refabriqué la verrière de l'hôtel Lutetia à l'identique de ce qu'elle existait, telle qu'elle existait à l'ouverture en 1910. Donc ils ont travaillé à partir de photos. Nous avons aussi travaillé avec un atelier qui a restitué aussi la très belle verrière
Là aussi, reconstitution intégrale, mais tout en respectant, bien évidemment, le savoir-faire et l'aspect d'origine. Ça valait le coup d'attendre. C'est vrai que c'est un... Bon, il y a les éléments que l'on voit, et puis il y a tous les autres éléments que l'on ne voit pas, parce que ces travaux ont été aussi l'occasion de créer un sous-sol technique, un troisième sous-sol, donc qui n'existait pas. Ces travaux nous ont permis aussi de renforcer toute la structure Eiffel, puisque ce bâtiment a été fait à partir d'une structure métallique, et donc l'ensemble ayant été enrobé dans une structure en béton pour pouvoir donner la possibilité, entre autres, d'installer de très très belles salles de bain en marbre, dont la baignoire, elle toute seule, fait 750 kg. Donc il y avait besoin d'avoir une structure en adéquation avec le projet architectural. Il y a un engouement, il y a une bienveillance. Nous avons commencé les voyages commerciaux maintenant depuis le début d'année pour parler de cette réouverture. Et la bonne nouvelle, c'est que le Lutetia est attendu, le Lutetia est connu. Et il y a vraiment une bienveillance, une attention et une envie de redécouvrir cet hôtel. Nous avons d'ores et déjà, bien évidemment, des réservations. Le fait d'être en mesure aujourd'hui d'annoncer une date d'ouverture officielle, à savoir le 12 juillet, va nous permettre aussi de donner cette confiance et de donner le go, je dirais, pour que les agences de voyage nous réservent et au-delà, tous les clients habitués avec qui nous sommes déjà en contact, à qui nous avons, qui ont totalement l'envie de redécouvrir cet hôtel Lutetia. Alors il y a une montée en charge, nous avons actuellement à peu près 350 salariés qui sont déjà arrivés, et à terme, lors de l'ouverture de la deuxième partie, à savoir la brasserie Lutetia, au mois de septembre, nous arriverons à plus de 420 salariés, sachant que nous assurons et nous exploitons en direct tous les différents services, y compris le spa. Nous considérons, et ça c'est vraiment une volonté de notre compagnie, nous considérons qu'il est important, quand on fait un certain type d'hôtellerie, de maîtriser autant se peut l'intégralité des prestations qui sont effectuées dans l'établissement. D'où l'idée vraiment de ne pas sous-traiter et d'avoir l'intégralité des salariés sous notre responsabilité. Une des spécificités de l'hôtel Lutetia, sa fermeture, c'est d'avoir mis en place un plan d'accompagnement qui favorisait le maintien des salariés sous contrat. Et pour cela, nous avions mis en place le principe de la mise à disposition, à savoir que les salariés acceptaient de pouvoir travailler dans d'autres établissements sans lien juridique ou avec l'hôtel Lutetia, ce qui a été fait et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir réintégré un tiers des salariés qui étaient des salariés qui étaient présents au moment de la fermeture, et ce qui pour nous est important parce que ça va permettre d'avoir une certaine continuité et puis d'avoir des salariés qui reconnaissent les clients, les anciens clients. Donc ça c'est un des éléments qui est quand même très important. Bon, maintenant il s'agit pour tout le monde, que ce soit les anciens et les nouveaux, le principe d'une réouverture. Et on est tous là, sur le coup, au même niveau. C'est-à-dire, il faut se réapproprier les locaux, il faut se réapproprier les standards, il faut mettre en place aussi un service qui nous permette à terme d'obtenir le label Palace, puisque telle est notre volonté. Il y a une montée en gamme, et on sait que cette montée en gamme passe bien évidemment par le produit Lutetia, qui là, je pense, ne fera pas débat, mais aussi par la mise en place d'un service bien évidemment de qualité.